timber hochbandi. Lui par contre, il pas que ce qu'on me faut encore un navire pour amener le villageois. Voilà, 503 PV. Avec une escorte, mine de rien, qui en jette. Par contre, c'est un des gros points forts, je trouve, des fous de guerre. C'est une unité qui, en coup d'or, est totalement négligeable par rapport à d'autres factions. C'est vraiment un gros point fort, je trouve, cette faction. Pas marché, c'est vrai qu'il peut être utile pour la suite. Mais vous trouvez maintenant votre campement principal, ce qui va être un peu plus compliqué. De mémoire, le château protège l'entrée est en bas. Ah, ils en ont un deuxième. J'avais zappé le deuxième. J'avais totalement oublié le deuxième. Le bateau va y retourner. Ça serait quand même bien de foutre en l'air quand même. Ils doivent pas avoir hérésie, je crois. Si, ils ont hérésie. Ah non, c'est les Perses qui ont pas hérésie. De toute façon, c'est simple. Je vais vous dire un truc, les factions qui ont pas hérésie, faut en profiter. Faut faire plein de moines et vous les dégommer comme ça. Punaise, mais j'en ai marre de ce bug. Oui, par contre, cette map est totalement buggée. Je préfère vous le dire tout de suite. C'est le gros défaut de cette map. C'est la map la plus buggée de cette campagne. Parce que, en fait, la map étant la plus buggée, étant donné que la glace de base est totalement buggée pour faire déployer vos troupes des navires. Et on va s'imaginer. Punaise, mais protégez mes villageois aussi, là. Oh.
Ah, j'aurais pas dû vendre ma pierre tout à l'heure, parce que maintenant ça me fait défaut. Alors en tout cas le souci c'est que maintenant il faut arriver à dégommer le forum. En sachant que je peux pas... Sachant qu'il faut que j'ai comme déjà le... Alors là, le but, là, mon château, je le mets là, c'est pour, vraiment pour protéger un peu tous les accès. J'espère qu'ils n'ont pas explosé toutes les mines d'or de l'île, parce que je crois qu'il y a des mines d'or sur ce site. Enfin, même s'il n'y a pas de mine d'or, de toute façon, il y a un marché à protéger. Ça va le faire, faut pas que je m'inquiète. Ça demande juste beaucoup de patience, beaucoup de troubles, beaucoup de sacrifices. Ça passe. Ouais, déjà une caserne de moins. Voilà, donc à chaque caserne de toute façon que je détruirai, ça sera déjà un point en moins pour moi. Donc là, je vais faire des... Non. C'est une énormité de faire ça. Donc j'en ai besoin pour me faire un atelier de siège. Ah, j'aurais peut-être vidé hors ressources, ça veut dire. Si c'est le cas. Ah, j'ai vidé hors ressources. Ah vache. Ah, ya, ça a pris le temps, mais on y est arrivé. Hein. On doit toujours train n'importe. De toute façon, j'ai dégommé le atelier de siège, mais vous avez vu, c'était vraiment ça qui m'a posé problème. Ouais. Donc, en tout cas, je vais faire une petite ellipse là, mais ne vous inquiétez pas, je vais revenir tout de suite, je vais faire quelque chose. A tout à de suite. Me revoici. Oh. Où j'en étais? Oui, voilà. Alors, construction des béliers. Alors, si je peux construire encore un dernier bélier. Ça m'arrange. Ah ouais. Des morts, il y a une petite réserve d'or ici. Oh,
propre, à savoir que Baby seront utiles uniquement contre Groenland. Ouais, ça. C'est ta synchronisation verticale qui fout la merde. Enfin bon, c'est pas grave. Donc, quoi qu'il en soit, nous on récupère du bois en grande quantité, ce qui était un souci auparavant. Maintenant, vu les réserves de bois qu'on a, enfin, réserves de bois potentielles à exploiter. Hein. Voilà, vitesse avec l'on démarre le château, je vous montre comme ça sera content. Guerre, voilà, fou de guerre, j'ai toujours fou de guerre moi, mais c'est des fous de guerre, ouais. Je sais que quelqu'un va me faire un reproche, mais après voilà, c'est... Ça fait des années que je prononce comme ça, et... Je doute un jour pouvoir changer cette prononciation. Quoi qu'en soit, Eric le Rouge va être bien utile. Non, le porgay communique pas avec l'eau. Ah si. En tout cas, niveau nourriture, ça transporte bien. Ce qui est un point non négligeable. Après niveau or, bon ben vu qu'on n'a pas de réserve d'or, on fait 100. Et là, on n'a pas trop le choix. Hein. Avec du bois, tu peux racheter tout. Non, oui. Je sais qu'il y a un villageois ici. Tu souhaites voir la mer de Worms? Regarde-la et perds espoir. Ah, s'il reste un peu d'or. Yes. Yes. Ah.
En gros, ils deviennent votre allié en fait à la fin, une fois que vous arrivez à les vaincre. Et comme vous voyez, il y a un dragon de mer géant. Et dès que vous envoyez un navire vers le dragon de mer, il est totalement détruit en fait. Quoique, ouais, je vais prendre tous ces villageois là quand même. J'ai tous ces villageois vont partir me récupérer Gore de la nouvelle île. De style là. Alors, faut savoir que ce mythe-là est un mythe assez répandu, comme quoi les Norvégiens auraient découvert en premier les États-Unis. Enfin, ils sont arrivés jusqu'aux États-Unis. Alors, beaucoup disent que c'était le Groenland. Enfin, de sûr, ils ont trouvé le Groenland et l'Islande. Mais pour ce qui est des. États-Unis, ça se discute et ben, c'est tout comme le débat est-ce que les Chinois sont allés jusqu'au Nouveau Monde ou pas. Ben, jusqu'à preuve du contraire, on a rien qui prouve que non, enfin qui prouve que oui, qui prouve que non. Il y a des similitudes entre certaines coutumes amérindiennes et coutumes chinoises, c'est vrai. Mais voilà, après c'est toujours pareil, est-ce que. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Ah, c'est toujours un problème de ce classe. Le Nouveau Monde! Au nom d'Éric le Rouge. Alors, nous devrons construire un forum, un marché et 12 maisons pour établir notre camp ici. Pourquoi? Ça me paraît raisonnable. Ah, les indigènes. Peut-être qu'on soit un peu plus au sud dans ce cas. Oui, c'est des indigènes, c'est pour ça qu'il est touriste à côté. Des sauvages vivent dans ces forêts, qui se surnomment les Skraelings. Ils ne possèdent pas d'acier comme le Nord, mais ils sont féroces et nombreux. L'hiver sera long et sanglant. Ici déjà. On va construire ça là. Ici, on va construire après un petit forum. Ah, j'ai pas de pierre. On va construire. Eh oui, les guerriers. Le manque de pierre que j'ai, ça sera une palissade. Bilek.
Ça sera sanglant. Ça me fait penser que j'ai toujours pas récupéré la pierre pour le forum. Parce que oui, il faut de la pierre pour faire un forum. Donc en attendant, je vais construire des maisons. Je vais construire un bûcheron. J'ai construit. Voilà. Voilà, on va rester Pokémon ma palissade. Ah, j'ai plus assez de pommes. Ah, par contre, là où c'est vrai que j'ai fait beaucoup de listes de rampes. Pour en remettre, c'était pas nécessaire qu'on fasse autant. Vous pouvez les vaincre, hein, mais il faut un peu plus de troupes que ce que j'ai là. Un peu beaucoup en plus même. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc après voilà, c'est assez simple, hein. Vous venez avec un certain nombre de guerriers de guet. De fous de guerre. Avec un certain nombre d'archers, de villageois, vous construisez assez vite des palissades et des murs pour avoir une petite protection, hein, contre l'incursion. Et vous restez barricadé. Hein, et... Et ça se passe très bien après. Hein. Après, en soi, c'est pas pire qu'il faut, c'est plutôt. On tâche de pierre, ouais, c'est bon. Alors cette recherche là c'est pour débloquer une navire d'incendie, une navire de démolition. Enfin débloquer d'amélioration, ce que je vous rappelle que pour avoir ah non, on a besoin, je croyais. Une maison 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un marché. Ouais. Thank you.
personne ne passera. Bah donc là on exploite l'or. Et on aura déjà fait un bon petit campement. On se souviendra toujours d'Éric le Rouge comme du premier viking du Nouveau Monde. Beaucoup de personnes disent que c'est Gisland aussi. Après voilà, je... Voilà, donc après vous voyez niveau troupes qui restent, il n'y a plus grand chose. Hein. Globalement j'ai déjà tué la majorité, mais bon. À vous de voir, et là-bas, bon, y a pas grand-chose à dire de plus que ce que j'ai fait, en tout cas. L'histoire des Vikings est transmise à travers les générations par des récits oraux appelés sagas. Les sagas les plus populaires relatent les aventures d'Éric le Rouge et de ses hommes qui ont bravé sur de petits navires la puissance de la mer pour fonder une nouvelle colonie viking. Cette nouvelle terre, baptisée Vinland, s'est révélée hostile aux Vikings. Les indigènes Skrelling, bien que ne disposant pas d'armes en fer, étaient de redoutables guerriers, qui se sont battus sans relâche pour repousser les envahisseurs. L'immensité de l'Atlantique Nord coupait les Vikings de leur terre natale, et ils ont peiné de longues années pour établir leur nouvelle colonie. Quoi qu'il en soit... C'est assez que dans cette mission, elle était assez longue, vous vous arrêtez là, je vous dirai une prochaine fois, si ça porte ou bien, et à tout le monde, encore merci à regarder cette vidéo en ma compagnie.